Donc, vous voyez, la valorisation de l'immobilier, au-delà de la pierre, au-delà des effets de levier dont vous avez parlé sans doute beaucoup cet après-midi, c'est toute cette atmosphère qu'on peut créer ensemble, cette insertion dans le Grand Paris qui doit être réussie, et puis enfin la promotion, l'ambition sur le cadre de vie, l'ambition sur les activités, et enfin, bien sûr, l'ambition sur cette socialité importante pour nous tous. Voilà, bonne clôture et merci de votre disponibilité. La première journée de l'immobilier, c'était assez incroyable parce que nous avons vécu une journée exceptionnelle avec des intervenants de grande qualité, puisqu'on avait des fiscalistes, des techniciens, des juristes. Et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, deuxième journée de l'immobilier, où nous ferons une après-midi et une soirée qui permettra à ceux qui n'ont pas pu venir dans la journée d'assister le soir à cette journée exceptionnelle. Voilà. Donc un très beau résultat. Je crois que le cabinet Francis Lefebvre ainsi que l'agence Sadon ont pu ainsi informer les Neuilliens et donner des informations techniques et juridiques qui ont permis à beaucoup de familles, je crois, de pouvoir mieux faire et établir une mesure surtout sur l'importance de la fiscalité qu'il va y avoir et surtout sur la technicité et tous les projets concernant le Grenelle de l'environnement. Donc tout ça a été dit, le maire a conclu en nous parlant de l'avenir de la ville et tout ça a été vraiment fait dans une journée vraiment très très concentrée et j'en suis vraiment très très content.